Alors voilà, il me reste 2 jours pour arriver. J'ai repris la route depuis chez ma fille. J'ai pu voir ce matin, alors hier soir, pour faire la vidéo, j'ai voulu profiter d'être branchée et tout chez ma fille. Donc j'avais le temps de faire ma vidéo. J'ai pu vous faire une jolie vidéo. Et ce matin, j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Je suis super contente. Donc, là, ce matin, eh bien, j'ai repris la route, direction Luna. C'est à peu près moitié route avant Arles. Alors, pourquoi Luna? Luna ou Lunas? Parce que c'est un coin où j'y ai déjà été. Déjà, le stationnement est gratuit, j'ai vidange, j'ai tout ce qui s'ensuit. Et mes souvenirs sont que c'était très sympa et joli. Donc, eh ben, je vais y aller. Ça me fait une bonne moitié route. Donc, je pense que ce soir, je serai posée là. Je verrai. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis au bord d'une route. Petite pause avec un petit encart. Pendant que je mange, je vous montre ce que j'ai devant moi et je commence à trouver des jolis paysages, les premières collines, les premières roches et tout ça. Ça commence à être joli. De toute façon, c'est joli partout en France. À Luna, une belle aire de camping, une base de loisirs avec le stationnement camping-car gratuit. Je suis désolée, j'ai mis mes lunettes de soleil, mais et figurez-vous qu'il y a un festival
Donc, il m'aurait bien trouvé une place, mais pour dormir, ça va pas être possible. Donc, je monte un peu plus haut. Je continue. C'est joli, mais il faut que je trouve de quoi me stopper pour ce soir. Et je vous montre ça, c'est joli. Écoutez, j'ai changé de route. Je pense avoir trouvé une autre aire à Agnan. Donc là, je commence à monter. Bon, mais je vais voir. Je pousse un peu plus loin. Mais là, il me tarde de m'arrêter parce que je suis à 3 heures de route. Donc, ben voilà. Je suis sur un. Ça commence à changer le paysage. C'est formidable. Donc voilà, je vais voir Agnan. Et. Voir si je peux me parquer pour la nuit parce que je pense que ça va suffire aujourd'hui. À tout à l'heure. Alors là, je m'arrête parce que franchement, filmer sur le tableau de bord, c'est pas facile. Je suis en pleine campagne et je commence à trouver cette fameuse terre rouge. Regardez-moi ça, ce paysage. Traverser. Alors, je ne sais pas si c'est un cours d'eau, apparemment oui, mais de toute évidence à sec. Voilà, je suis à Agnan. J'essaie de trouver, il y a deux églises à Agnan. Donc, j'essaie de trouver, il y a celle des pénitents et l'autre où ils font la messe. Donc, je vais essayer de vous trouver ça. Ah, je suis dans une petite rue bien fraîche et ça fait du bien. Vous le saurez quand vous approchez de Montpellier, on se déshabille. Qu'est-ce qu'il y a là? Agnan, la mairie. Que du bonheur. Alors ça, sans fauteuil électrique, impossible à faire. Regardez-moi ça. J'évite les trous aussi. Alors là, je fais attention aux trous. Ouais,
Et je peux vous dire que ça monte. Hein. C'est magnifique. Évidemment, je vais visiter la chapelle des pénitents à Agnane et il faut que je tombe sur une exposition. Je vais vous faire quelques clichés et vous montrer cette ancienne église qui est l'église des pénitents. Il y a actuellement un peintre qui fait de magnifiques choses. Je vous montre ça. Voilà, je suis à Agnane. J'ai fait pas mal de route, je suis contente parce que j'ai bien avancé. Donc, je devrais pouvoir atteindre Arles sans difficulté. Je vais rester là pour la nuit. Comme vous avez pu voir, c'est un village assez atypique et très joli. Et évidemment, j'ai eu la chance de tomber sur une exposition où le style de ce peintre m'a pas mal plu. Il y a même un tableau qui, pour moi, en dit long. Alors, je vais me préparer à manger, me reposer. Je ne garantis pas de publier la vidéo ce soir parce que je ne suis pas branchée, je suis sur un parking. Donc, je vais faire de mon mieux, commencer à la préparer. Et puis voilà, et on se retrouve là maintenant. On va très, très certainement se retrouver à la rencontre. À Arles, on va retrouver Gina, Francis le Pèlerin et bien d'autres. En attendant, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on n'oublie pas les enfants, vous avez la description de ma page de cagnotte sous la vidéo. À bientôt, bisous.